Bonsoir à ceux qui arrivent. Est-ce que le son est bon? Salut, salut. Salut à tous. Dites-moi si vous m'entendez bien. Je viens de lancer là. Il n'y a même pas 5 minutes, donc désolée pour le retard. J'essaie de faire des petits réglages avant de commencer. N'hésitez pas à partager. C'est quoi qui bug? C'est l'image? C'est quoi qui bug? Pour ceux qui me disent que ça bug un petit peu. Tapoter mon nez, oui. Ah, il y a un grésillement. Joe, maintenant? Je sais pourquoi, c'est le micro. Je fais des tests en plein live, j'essaie de nouveaux micros. Du coup, est-ce que comme ça, c'est bon? Voilà. J'essayais de baisser un petit peu pour faire en sorte à ce que vous puissiez bien m'entendre. Donc je vais vous demander de partager, de tapoter sur mon nez ou sur mon front, hein, comme vous voulez. Et puis on va parler, comme d'habitude, on va parler d'islam, hein, pour pas changer, parce que sinon c'est pas drôle. Je fais une dernière tournée de partage et je reviens vers vous. J'arrive. Donnez-moi quelques secondes, tant qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Hop, pour s'occuper de tout ça. J'entends aussi, moi, le grésillement, mais bon. Alors. Coucou, coucou à tous, coucou à tous. Oui, Joe, je crois que c'est ça. Hein. J'arrive pas à résoudre ce bruit. Je ne sais pas d'où ça sort, je ne sais pas d'où ça vient. Donc, en attendant, salut Jérém. Est-ce que c'est le même Jérém que sur YouTube? Si oui, tu peux dire oui. Je sais qu'il y a un petit grésillement, mais bon. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, je vais vous lire, pardon, des petits textes. Et aujourd'hui, bah, s'il y a des musulmans sunnites qui mangent, j'aimerais discuter avec eux de Mohammed, en fait, tout simplement. J'aimerais savoir pourquoi il est considéré comme le meilleur des hommes, tout simplement. Pourquoi? Parce que j'étais en train de faire le bilan hier. J'étais en train de faire le bilan. Et entre le massacre de la tribu de Bani Qurayda, entre la consommation du mariage avec Aïcha à 9 ans, Safiya, après avoir pragmatisé son père et sa famille, vous avez le hadith de révélation de la 533 que vous pouvez trouver dans les tafsirs. Qui parle du moment où il a pété un câble sur deux voleurs. Il a coupé les membres opposés, il a crevé les yeux. C'est un hadith sahih qui se trouve dans l'explication du verset 33 de la sourate 5. Verset 33, sourate 5. Et avant qu'on ait le had, c'est-à-dire c'est les lois pour, c'est les sanctions de l'amputation.
Ton sujet est une logorrhée galimatias. S'il y a des modos, vous voyez qu'il y a des gens qui pètent un peu un câble, vous pouvez leur enlever le stylo, ça va peut-être les motiver à monter. Donc je disais, les massacres des tribus juives, parce qu'apparemment la tribu a violé, continuer de tapoter. C'est dur hein, de censurer les mots quand on parle d'un sujet où il n'y a que des catastrophes. C'est dur. Donc, qui a apparemment violé ses alliances, mais en fait, quand vous cherchez, vous ne trouvez pas le vrai sujet. Vous ne savez pas ce que ça veut dire exactement. À aucun moment, on vous explique qu'est-ce qu'ils n'ont pas respecté, ces tribus qui ont été pragmatisées. Vraiment. Aïcha, du coup, c'est devenu un modèle pour légitimer la pédophilie à 9 ans, n'est-ce pas? Dans l'islam sunnite. L'islam sunnite insulte hein, pour les personnes ici de confession musulmane qui viennent s'en prendre à moi. L'islam sunnite insulte votre prophète. Franchement, moi, si j'avais un dogme qui allait décrire de cette façon-là une personne que je considère comme incroyablement magnifique, meilleure de toutes, etc., j'aurais honte. J'aurais vraiment, vraiment honte. Et voilà. Donc, j'allais oublier la 424. Le fait d'avoir autorisé à ses compagnons de violer des femmes captives, bien évidemment, je répète une fois de plus, des captives deviennent esclaves, hein, faut qu'on arrête. Captives deviennent esclaves, les captives de guerre deviennent esclaves, et après on peut en faire tout un petit souk, un marché d'esclaves. Faut aller vous renseigner. Donc, autoriser à ses compagnons de violer des esclaves mariées, des femmes mariées. Qu'est-ce qu'on a collecté là? Franchement, c'est collector. Donc, la pédophilie, l'esclavage, l'antisémitisme. Je pourrais pas m'arrêter. La misogynie, incroyable. Le sexisme. Oui, personne ne veut me marier. Si c'est quelqu'un comme Mohamed, ça ne m'intéresse pas, vraiment. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous savez, le verset qui me fait vraiment rire, c'est celui qui lui donne un droit supplémentaire, donc pas comme celui des hommes, de tous les hommes musulmans, donc les hommes musulmans lambda. Les autorisations qu'ils ont dans l'islam sunnite ne sont pas comme celles de Mohammed Rasulul Islam, parce que lui, il a le droit de prendre n'importe quelle femme qui s'offre à lui. Il allait même voir des femmes leur dire « Hibi nefseki », donc « offre-toi à moi ». Ça, c'est un hadith sahih, pareil, c'est un hadith sahih de Bukhari. Et il me semble que c'est le 52-55 où il se fait envoyer par Jaounia. Si quelqu'un a la ref, je veux bien la prendre. Celui de Jaounia. Si quelqu'un l'a, ça m'intéresse. Le hadith de Jaounia. Quand il... Non, pas pousser Aïcha. Je ne l'ai pas sous les yeux. Celui avec la dame, vous savez... En fait, il était assis dans un parc avec ses... Il était avec ses collègues, donc les lascars et racailles du désert. Ali, Omar et compagnie, donc les racailles du désert. Il était posé avec eux dans le parc. Et en fait, là, il y a une meuf, Jaounia, qui vient d'une tribu assez noble. Il va la voir, il lui dit « Offre-toi à moi ».« Hibi nefseki ».« Hibi nefseki », c'est « Offre-toi à moi ». Elle lui dit « Est-ce qu'une reine s'offre un clochard ?» C'est un hadith sahih, ça, de Bukhari. Il faut juste que je retrouve le bon numéro. C'est un hadith sahih. Et bon, il a rien fait, hein. Il lui a donné des trucs, il a dit aux autres, laissez-la rentrer chez elle.
Jaunia. Mais je pense qu'elle a bien fait de lui dire ça. Et il avait l'autorisation de faire ça. Parce que y a un verset qui lui autorise de se marier avec et de coucher avec autant de femmes qu'il veut. Autant de femmes qu'il veut. Voilà. Donc, ce qui est à l'infini. Donc on peut continuer des heures et des heures et des heures sur Mohammed. Donc quand je sais pas, quand vous entendez tout ça, les razzias, l'esclavage, la pédophilie. À quel moment c'est le meilleur des hommes? Je ne comprends pas. À quel moment c'est un exemple à suivre? À quel moment Grenade, c'est bien, tu m'as marqué, c'est bien. TikTok, ça rend pas les coups. Est-ce que c'est quelque chose que tu as appris dans le Coran? De rendre les coups? Je sais pas. Je te demande comme ça. Oui, alors, je vais même pas aborder le sujet dégueulasse de tout ce qui a à voir avec la propreté, avec les cailloux, avec le fait de faire le tour de ses femmes en une nuit. Tout ça, franchement, je vais même pas l'aborder, parce que limite, ça me donne envie de vomir. Et après, je me dis, bon, ben, pour l'époque, en plein désert, ils avaient pas... qu'ils fassent ses ablutions dans le puits ou en jeter... des monstrues et des chiens, des charognes, des cadavres de chiens. Ça, pareil, vous le trouvez dans la série, il me semble. Et qu'ils disent que bah, le sang et les charognes ne polluent pas le puits, ça me choque pas, parce qu'ils étaient ignorants, tu vois. Je me dis, bon, en plus, bon, voilà, ils étaient en plein milieu du désert, ils avaient rien, il n'y avait pas d'eau, voilà, tout ça. Tout ce qui est dégueulasse, c'est pas grave. Elle me dit, bon, bah, c'est pas grave. Mais les razzias, la pédophilie, l'esclavage, le fait d'autoriser à ses compagnons de coucher avec des femmes, des captives mariées, que lui-même, il couche avec une petite de 9 ans. Ça, par contre, meilleur des hommes, tout temps et tout lieu, ça marche pas, hein. Parce qu'en 2024, je vous le dis, hein, Momo, selon les textes de l'islam, et plus précisément de l'islam sunnite, parce que bon, pour... je prends les chiites et compagnie, c'est pas mieux. Hein. Mais vu que je connais pas leurs textes, je vais pas m'avancer dessus. Mais je sais que sur certaines choses, c'est catastrophique aussi, mais on devrait se pencher dessus à un moment. Mais Momo, du coup, selon les textes de l'islam sunnite, il serait en prison aujourd'hui. Il serait en prison. Enfermé. Eh oui, enfermé. Le meilleur des hommes serait enfermé aujourd'hui en prison. Et vous pourriez lui rendre visite. Voilà. Si vous avez envie de rendre visite. Je ferai monter des gens quand je continue de tapoter. Je fais juste ma petite intro. Donc... Bah voilà, hein. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur Mohammed? Si vous avez des... si vous pensez à certains sujets, vous pouvez me les marquer dans les commentaires. Et on va lancer une cagnotte pour ta chirurgie esthétique. En fait, je pense que tu devrais lancer une cagnotte... si tu es là pour défendre l'islam sunnite, pour voir comment enlever certains textes, parce que c'est vraiment la chouma. C'est vraiment la chouma. Vraiment, vraiment. Sans parler de Allah qui insulte dans le Coran, les gens de souillure, de bâtard. C'est sacré. C'est ça le sacré? Comment tu fais quand tu t'assois, tu te poses pour... imaginez avec moi. Tu te poses pour méditer. Tu te poses pour méditer. Et tu lis des trucs où on te demande de pragmatiser des gens. On insulte les gens. Je comprends pas. À quel moment ça, c'est spirituel? Si vous voulez comprendre le projet... Le projet... Le produit islam,
le produit islam sunnite plus précisément. Et la finalité de ce produit, ce qu'il a à vous offrir, vous allez lire la sourate numéro 9. Sourate Tauba, sourate numéro 9. Et vous allez comprendre la finalité du projet. Le produit final, vous avez toute l'explication. Voilà, sourate 9 qui est descendue, bien évidemment, je le répète, selon l'islam, hein, c'est pas moi qui invente. Une fois de plus, parce que j'ai l'impression qu'on va pas s'arrêter de répéter ça, mais une fois de plus, donc selon l'islam, surah numéro 9, surah Tauba, la dernière à avoir été révélée, et pas la plus jolie, hein. Pas la plus pacifique, pas la plus gentille, voire pas du tout gentille. Oui, dans tous les cas, si tu veux, si je parle d'un point de vue purement historique et logique, si Momo a existé, parce qu'on n'a aucune preuve déjà archéologique, rien. On n'a pas de preuve historique, on n'a pas de preuve archéologique sur l'existence de Mohammed en tant que personne, en tant qu'être humain. Je tiens juste à le préciser. Donc, si on se concentrait sur, on va dire, bon, on va supposer que cette personne ait existé, on va supposer qu'elle est décédée, qu'il se soit battu sur son cadavre, enfin, qu'il l'ait laissé pourrir dehors, en se battant l'héritage et la chèvre, selon certains écrits, qui fait disparaître des versets, ou peut-être que c'est Aïcha, hein, je ne sais pas, moi qui a fait disparaître ces versets. Donc, si on prend tout ça en considération, l'Outman, les Mushaf, machin, les petites guerres politiques, etc., ça a été écrit des années plus tard, hein, donc... Oui, j'ai un niveau catastrophique. Par contre, Caligula, tu sais qu'on écrit « vous avez » A-V-E-Z. C'est le verbe « avoir » à la troisième personne du... Deuxième personne, pardon, du pluriel. Ok ? Avoir, deuxième personne du pluriel, EZ. Je te parle comme je parle à mes élèves. Tu vois ? C'est pas la peine de venir essayer de me ridiculiser parce que tu vas te ridiculiser toi-même. Et puis, ils sont plus jeunes que toi, mais ils comprennent mieux que toi, par contre. Hein. C'est catastrophique. Du coup, si vous êtes musulman sunnite, tapez 2. Que vous soyez une femme ou un homme, tapez 2. Je fais de la peine, je sais, je fais de la peine. Mais est-ce que je fais autant de peine que Aïcha quand elle a été pénétrée à 9 ans? Mashallah. Ça va? Ça va et toi? Alhamdulillah. J'étais dans un monologue en attendant des sunnites. J'arrivais pas à retrouver le numéro du hadith de Jaounia, la femme qui lui a dit clochard là-bas. Ah, ça, je l'ai pas noté, j'avoue. Ah, si, je l'ai noté. La reine est clochard, elle lui a dit clochard. Est-ce que moi je me donne un clochard, petite racaille du désert? Pardon. Je l'ai noté en la reine et le clochard. Il me semble, attends. La reine et le clochard. Voilà. Sauf que la différence, c'est que dans La Belle et le Clochard, la belle, elle se fait vraiment séduire par le clochard. Donc ça veut dire que c'est même pas un clodo, quoi. C'est même pas ça, c'est pire. Non, là, elle se fait pas séduire, là, c'est vraiment... Elle est en mode, mais tu t'es pris pour qui, wesh? Tu es qui? Attends, parce que je vois rien, là, faut que j'allume un peu. On va leur relire d'abord. Mais Caligula, tu connais vraiment pas le hadith de Jaounia? C'est une dame. 52-55, je crois. Ah, c'est ça. 55. Parce qu'avec ma dyscalculie, je l'ai noté à l'envers. Bukhari 52-55. Normalement, c'est ça. Donc... Bukhari 52-55, oui, kitab talaq, donc divorce. Je vais vous lire.
Tu es marié encore une fois, tu vois, tu as encore refait une faute. La prochaine fois, c'est le coin Caligula. Tu es ES, deuxième personne du singulier au présent de l'indicatif. Au C'est pas coin! possible. Et tu oses me dire que j'ai un niveau catastrophique, tu ne sais même pas conjuguer au présent de l'indicatif, Caligula. C'est quoi ça? Un peu de sérieux. J'ai quelqu'un dans ma vie. Si c'était si c'était pour demander ma main, je sais pas. Mais voilà. En tout cas, ça m'intéresserait pas, Ça venant de ta dépend, part. est-ce qu'il est pour ou contre la polygamie féminine? Bah non, il est pas contre. Mais Caligula. Ben non, je demandais simplement s'il veut ta main, faut savoir s'il est pour ou contre la polygamie, l'égalitaire, la polygamie égalitaire, ou si non, c'est juste le, voilà, le sens unique. Ah non, c'est à sens unique. À Caligula, c'est à sens unique. Ah, Ah c'est bah pas oui. égalitaire. Ah, mince alors. Là, il n'est pas égalitaire là-dessus. Allah, Allah, comme... Allah ne sert à rien. Mais ça, c'est une autre histoire, n'est-ce pas? Mais du coup, Caligula va lire le hadith Sahih Bukhari 52-55 où Mohammed va voir une femme et lui dit, donne-toi à moi. Elle lui dit... Est-ce qu'une reine se donnerait à un clochard? En arabe, elle dit Soqa. C'est écrit, c'est dans les livres de Hadith. Bukhari, quand il a noté ça, il s'est passé quoi dans sa tête? Il s'est pas dit, je suis en train de noter qu'une femme a dit à mon prophète qu'il est un clochard. Alors, soit il était très très con, tu vois, soit c'était un putain de troll aussi. C'est possible, hein? C'est possible que ça soit un troll parce que toutes les catastrophes que tu trouves chez Bukhari, des fois je me pose la question. Donc je disais, en fait, je faisais la liste des points positifs de Mohammed, donc contre l'esclavage, les razzias, les yoles, les captifs de guerre, la pédophilie, tout ça, et je me demande, et je disais en fait qu'aujourd'hui, si cette personne avait existé, elle serait en prison. Oh voilà. Donc après ce petit, je vais commencer à faire monter les gens et continuez à tapoter s'il vous plaît les amis sur mon front ou sur mon nez. Bonsoir Lola, 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 il y a du bruit. Oh là. Ouh là là, il est déchaîné, il est sévère là, dis donc, qu'est-ce qui se passe? Elle est descendue? Lola Non. refait. Demande. Elle a paniqué, faut pas lui en vouloir, c'est l'effet quand il y a des gosses, tu vois, ça la... elle préfère partir direct. Parce que... Si tu arrives à calmer ton fils, refais une demande, Lola. Ninouchka, le hadith, c'est Bukhari 52-55. Et tu sais quoi, c'est peut-être son mari. 52-55. Le petit là, c'est peut-être son maram, hein, qui sait, il lui dit non, arrête, descends, descends. Ah oui, c'est vrai qu'il a le droit. C'est vrai qu'il Bah a le oui, droit. c'était son maram, oui. Même si c'est... Est-ce qu'il doit l'accompagner pour faire pipi? Bon, si on n'avait pas de toilette, hein, à Non, l'extérieur. non, non. Allah a Non? dit, a révélé, enfin il a révélé, c'est Mohammed qui a dit que Allah avait révélé que maintenant elles avaient le droit de sortir pour faire leurs besoins la nuit. Après le passage de Saouda, justement. Le voile et le fait qu'elle ait le droit, même, parce que tu sais, même quand elle était voilée, tu sais, la deuxième partie, il y a Omar qui lui retourne Oui. dessus, qui lui dit, non, non, mais on te reconnaît toujours, Saouda, t'es trop grande, faut que tu trouves autre chose, toi. Mais du coup, il Et là, voulait quoi, Omar? Je comprends pas. je sais pas, non. Parce qu'en fait, la meuf, c'est la victime totale. Déjà, il la marie Mohamed en même temps que Aïcha. Pour ceux qui se demandent comment il a fait pour pas pénétrer Aïcha à 16 ans, pourquoi il a attendu jusqu'à 9 ans, il y avait Saouda hein, aussi. Ok? Il y avait Saouda avec qui il pouvait avoir des relations. Et c'est comme ça qu'il pouvait se vider les couilles pour être un peu plus vulgaire, parce que c'est le cas. Hein, c'est une vérité. Et après, à 9 ans, il est passé à Aïcha, et du coup, Saouda, il voulait la répudier, elle a dit, il voulait la divorcer, elle a dit, c'est pas grave, tu peux me laisser, je veux juste rester ta femme, pour
pour avoir l'honneur d'être la femme de Mohammed. Et donc elle a Au donné sa nuit paradis, à Aïcha. au paradis, au Au paradis. paradis. Ouais, elle veut pouvoir être sa femme au paradis. Mashallah! C'est beau l'islam, hein. C'est Non, moi je beau. pense juste qu'elle s'est dit si il me tège, je finis mal. En plus, c'était trop vieille pour se remarier. Donc Oui. elle a dit, bah tu sais quoi, je vais dire ce qu'il y a de mieux, tu vois, pour être sûre qu'il me garde. En C'est-à-dire, je te donne plus. ma nuit à Aïcha, et en plus de ça, c'est pour être ta femme. Regarde, je crois tellement en ce que tu dis. Pour être ta femme au paradis, Mohamed. Hein? Je suis ton allié, garde-moi, t'as vu? Ah, C'est c'est ça. bon. Et en fait, je me demande, des fois, je me dis si ça se trouve, elle en avait rien à faire. Genre, elle était dans son coin, elle pouvait faire ses. Tu vois, elle faisait sa vie, quoi. Elle faisait sa vie. Elle faisait son ménage, faisait à manger. Elle allait faire caca et se faire suivre. Harcelé par Oumar. Voilà. Enfin, caca, pipi, on sait pas. Il faudrait Peut-être faire ça une était chanson un peu. pour Oumar qui harcèle Saouda la nuit quand elle va faire caca. Oui. Attends, je vais Coco, noter ça. faire coco. Et coucou tous ceux qui y rejoignent. Oui. Beaucoup de ceux qui rejoignent. Omar. L'harceleur. N'hésitez pas à tapoter, bien évidemment. Oui, s'il vous plaît, on continue Ça là. stabilise bien le live, c'est cool, ça fait plaisir. Oui, ici et là. Comme ça. Hop, 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 sur le nez. Bonsoir, madame. Je dois t'appeler comme ça? Madame? Madame la teub? Ah bon, oui, excusez-moi. J'avais pas vu que j'étais montée. Non, mais les filles, c'était pour vous féliciter pour votre courage, et puis j'apprends plein de choses grâce à vous que j'ignorais. Bon, moi, j'ai pas de religion du tout. J'en ai pas du tout. Mais je vous admire. Vous êtes courageuse. Je vous soutiens comme je peux. J'écris des trucs sur ma bio. Je vous embrasse et je vous dis merci, à bientôt. Ciao. Merci, merci Merci madame. Madame la Teub, ça fait plaisir. Ouais, merci, merci. Non, vraiment, merci beaucoup. Elle est gentille. Oui, Et et on sent partagez qu'il y a de la aussi. conviction. Elle était pleine de C'est conviction vrai. quand elle ouais. Je crois, mais... Franchement, je me poserais toujours la question de pourquoi Omar il est retourné quand elle était voilée. Juste pour lui dire je te reconnais. Bonjour. Bonjour, Kwame. Bonjour. Comment Je ne vas-tu? sais pas si vous. Ben, ça va très bien, je suis en train de promener mon chien. Et non, en fait, j'étais monté parce que depuis quelques temps, je suis effectivement les lives et d'Aposta et de critique Kwame, de je suis l'islam et de désolée. religion. Kwame, je suis obligée de Ah, te on poser une m'entend très question. mal. Non, 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 non. Oui? Il est quelle couleur ton chien? Attention à ce que tu vas dire. Il est de quelle couleur? Ouais. Il est un peu orangé, c'est un croisé avec un Shiba. Bon, ça Ça va va, alors. ça Hein. va, C'est il chien passe. noir, c'est. Attention, les chiens noirs. Hein. Le Ah, bah prophète oui, l'a il paraît que dit, c'est. faut. Ah, tu vois. Bon. Yes. Excuse-moi de Et du coup, t'avoir on m'entend coupé, ça bien? fait longtemps. Ouais. Non, je t'en prie. Je disais, ça fait longtemps que D'accord. t'écoutes les lives de Zapusta, c'est ça. Oui, voilà, j'écoute un petit peu et merci pour les informations que vous donnez. Ça permet d'en savoir un petit peu plus et de parfaire la culture générale, grosso modo. Moi, en fait, j'ai deux questions. Il y en a une qui n'a aucun rapport avec une quelconque religion et il y en a une qui a un tout petit rapport. Je commence laquelle? Et celle qui n'a pas de rapport, ça concerne plus Casus. Par celle que tu veux, vraiment. Eh bien, celle que je veux. La première allez, celle qui concerne un tout petit peu les religions. Quand j'écoute souvent les lives avec notamment Jack, il dit qu'il ne veut pas perdre de temps et une seconde avec un coraniste. Et je ne sais pas, à force, j'écoute et je ne sais pas comment comprendre la phrase. C'est-à-dire qu'il n'a aucun problème
avec une personne choraliste, ou alors c'est juste que c'est pas son combat actuel et qu'il s'en occupe et qu'il s'occupera des choralistes plus tard. Je cherche un peu à savoir ce qu'il entend par les choralistes, je leur parle pas. Je Ben, ce que je comprends te pas ce propose de faire, qui ça parle. c'est d'essayer de monter sur ton live. Pour ce genre de questions, je te conseille d'aller sur ton live le lundi sur YouTube. Et tu pourras lui poser la question. C'est plus facile de l'avoir, pour lui poser des questions sur YouTube le Ouais, lundi soir à d'accord. 20h30. Que de Vraiment. répondre à Mais sa place, oui. ouais, mais te concernant, toi, tu admets de passer du temps à discuter avec un coraniste? Ça dépend du mood. Il y a des moments où D'accord. dans la personne, ouais, je peux prendre le temps. Mais si c'est quelqu'un qui est déjà venu et revenu, voilà. En fait, tant que les gens, même pas rejettent, mais condamnent l'idéologie, que les éléments de l'idéologie que moi je condamne, en fait, bah, de temps en temps, je peux passer un peu de temps pour parler de sa foi, ou plutôt de la logique, ou de sa foi, à la rigueur, sur quoi se base sa foi. Mais dans l'ensemble, moi, je parle des textes de l'islam sunnite. Donc, si tu rejettes ce que je condamne dans l'islam sunnite, alors dans ce cas-là, on fait le même boulot, tu vois. Ben oui, ouais, toi, je t'avais déjà entendu dire à peu près ce genre de choses, effectivement. Mais d'accord, ben, si l'occasion s'y prête, j'essaierai d'écouter. Je pense qu'il l'a déjà expliqué, certainement dans ses lives, mais j'ai pas dû passer dessus à chaque fois. Bien Bon, lundi ok. pour le ou vendredi, mais le vendredi, il fait plutôt monter pour parler Ben oui. d'islam directement. Donc, Oui, je pense qu'il y a peu de chances de monter. le lundi, si sur YouTube, si tu veux, tu peux monter facilement le lundi. Bah, Vraiment. en fait, il prend plus souvent des gens, soit récemment apostats, soit des musulmans sunnites. Étant Sur athées, YouTube, non. de naissance. Sur YouTube, non. C'est apostat, oui, mais pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça. C'est plutôt les questions autres, justement. On parle d'autres. D'accord. Ouais. D'accord. Voilà. Bah d'accord. Non, mais pardon. Bah, j'enchaîne sur la deuxième question et puis je laisserai la place à quelqu'un d'autre alors. N'y a pas de souci. Et là, elle n'a vraiment aucun rapport. Ça concerne les vignettes de ta chaîne YouTube, Casus. Je suppose que c'est que toutes les vignettes, elles sont faites avec une IA. Oui. Parce que je suis, comment dire, j'aime bien le fait que les gens travaillent de leur métier, de leur savoir-faire, et ça t'as déjà été approché par des graphistes pour te proposer de faire des vignettes des miniatures de vidéos? Le problème, c'est que j'ai un rendement de. Enfin, tu sais, je fais 2 vidéos par jour à chaque fois. Ah, et C'est-à-dire puis ça que. suivrait pas. Ouais, ça peut pas suivre le rythme que j'ai, ça peut pas. C'est pour ça aussi l'IA, franchement, ça dépanne. Pas de mentir, concrètement. Ah, et ça c'est uniquement personnel, hein. Je suis pas du tout graphiste, hein. Je demande pas pour ma paroisse, mais je suis toujours un petit peu tiqué quand je vois de l'IA, malheureusement, qui prend un peu la place du travail Oui, humain, quoi. je comprends. Après, pour des projets plus conséquents, tu vois, par exemple, enfin, je sais pas, j'ai pas d'exemple, mais si un event où on a besoin d'un logo ou un truc comme ça, on fait appel à des gens, tu vois. Enfin, moi, je fais appel à des gens. Là, dernièrement, un logo qui a été utilisé pour la marque Aïcha, la Sainte Aïcha, c'était un logo qui a été fait par quelqu'un du mail, etc. Et c'était pas l'IA, par exemple. Mais pour des Ouais. vidéos comme ça qui sont tous les jours, j'avoue que c'est pas forcément possible. Mais pour d'autres choses, je suis d'accord avec toi, il faut promouvoir encore les artistes. Pardon si je fais du bruit, je suis dans une rue un tout petit peu passante, Parce ça devrait qu'il pas faut aller. pas oublier une chose, c'est que les IA n'inventent rien. Elles se basent sur des choses qui ont été créées par les humains. C'est-à-dire que si l'humain arrête de créer, l'IA n'aura plus de références, plus de nouvelles Oui. références. Donc voilà, elle ne pourra Oui, pas évoluer plus vite. quelque part, certains diraient que l'IA vole le travail des humains pour en refaire un gloubi-boulga et barbatruc, et puis ça vous fait votre vignette que vous souhaitez. C'est ça. Mais si les artistes viennent à disparaître, bah, c'est mort en fait. Ça tournera en rond, c'est tout. Il n'y aura pas de nouveautés, il n'y aura pas d'autres choses, il n'y aura pas de nouveaux concepts. C'est ça. Ok.
Eh bien, c'était mes deux questions qui n'ont pas pété bien loin. Vous avez un thème particulier là sur le live qui démarre? Pourquoi Mohamed est considéré comme le meilleur des hommes? D'accord, ok. Bon, de toute façon, qu'est-ce que tu veux que je dise de ce côté-là? Moi, j'en suis même à me Voilà, dire, voilà. si, pour paraphraser, je crois que c'était Woody Allen qui disait ça, si Dieu existe, j'espère qu'il a une bonne excuse. Oui, j'espère qu'il a une très 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 belle excuse. Oh là. Merci, Kwame. Bah, merci beaucoup, et puis continuez votre travail et mes amitiés à tous. J'admire ta façon de mener le débat calmement, tout comme quand tu es ali avec Merci. Alibaba. Je pense que en ce moment, c'est Alibaba et toi qui avez ma préférence sur la façon de discuter avec une personne et de gérer les Bon, silences pour poser le malaise, quoi, chacun. malheureusement. Merci, c'est gentil. Voilà, chacun ses préférences. Mais merci beaucoup quand même. C'est Exactement. gentil. Eh bien, Bisous. Je te pardon fais pour le descendre. déplacement. Ouh! Oui, bien Au sûr. revoir. Ça a fait un bruit avec le. Merci Kwame. Merci, Kwame. Clément, je t'ai fait Il revient. monter, mais ça tournait en rond. Il revient, Donc, il revient. Il y a eu ok, un problème avant. d'accord. Ok, je me demande, je me disais bien. Comme ça, on rigole un peu. On rigole Je vais bien avec regarder Clément. si je le vois. Si je tourne pas de l'œil entre-temps. Exceptionnel, tu fais Oui. beaucoup. Mais comme ça, Allez, les elle baisse. regarde. Bonsoir, Blue Paradise. Alors, Bonsoir. tu as fait tes devoirs déjà depuis la dernière fois? Ouais, je me suis renseigné un peu. Et D'accord. Et du coup? du coup, je viens répondre. Mohamed est le meilleur des hommes. Parce que. Il a fait quelque chose d'extraordinaire sur Terre, c'est-à-dire pacifier une zone de guerre, une zone de non-droit, et créer une des plus grandes religions du monde. Et voilà, c'est pour ça que c'est le meilleur Pacifié. des hommes. Et tu peux voir le classement que les Américains ont fait sur les 100 personnalités les plus influentes de l'histoire, et Mohamed est classé premier. Mais du coup, il a pacifié quoi? Je vais te donner le À lien si quel tu moment? veux. Oui, mais c'est Il a pas ce que je demande. Je demande pacifié dans l'Arabie. ce. Il a pacifié comment? En appliquant Sourate Il a 9? pacifié là-bas. Non, il a pacifié en recevant une révélation de Dieu. Et des hommes se sont Et convertis à cette après? religion. Au lieu de se faire la Et ce guerre qui. et de se tuer entre ses élus, Tu se connais sont la unis. sourate numéro 9 ou pas? Blue Paradise. Blue Paradise, t'es là? Blue Oui, Paradise, écoute le soir tu es là? 9, Taouba, le repentir. Tu la connais? Oui, je connais. Bien sûr, je connais toutes les sourates du Coran. D'accord. Elle J'ai sert à lu le quoi Coran cette en entier. sourate? Dieu, il demande. C'est par rapport à ce qui se passe avec une tribu. Dieu, il dit. Il donne des règles aux musulmans comment agir par rapport à la tribu ennemie qui leur veut du mal, etc., qui ne respecte pas leur pacte. Dans Je l'islam leur dis sunnite, comment. c'est pas forcément que cette tribu. Après, c'est par rapport à. Ça devient une règle. C'est par rapport à toute tribu ennemie. Donc pour Bah toi, oui, toute tribu qui est pacifier, c'est condamnée. demander aux gens de payer la jizya en état d'humiliation? Oui, parce que pour préparer la paix, pour faire la paix, il faut faire la guerre, d'abord. N'y a pas de paix sans combat. C'est le principe de la vie. On fait un effort, on se bat, pour ensuite être en paix. C'est comme, par Tu exemple, on travaille un mois pour avoir un salaire. Oui, vas-y, dis. connais le hadith, tu connais le verset 33 de la sourate numéro 5 Qu'est-ce qu'il dit? de la récompense de ceux qui font la guerre à Allah, c'est
de couper les jambes et les mains opposées. Tu connais ou pas celui-là? Oui, connais celui-là. Oui. Quand tu vas lire les révélations, les raisons de révélation, tu vas trouver un hadith dedans. C'est le hadith qui parle de Mohammed quand il a pragmatisé deux voleurs en leur coupant les membres et en leur crevant les yeux et en les laissant comme ça mourir dans le désert. D'accord. Est-ce que Alors, ça aussi, ça fait partie de... pas du tout. C'est pas écrit dans le Coran, donc je ne vois pas pourquoi Mohammed, ça, et c'est même l'aurait fait. Mohammed Ah, suit le c'est pas Coran. écrit dans le Coran. Bah, Mohammed suit le Coran. C'est pas l'idée. C'est parce qu'un type a dit qu'il a vu qu'un type a fait, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est pas fiable. D'accord, donc c'est un hadith, donc Sahih Muslim. C'est quoi ça? C'est le hadith 288, Sahih Bukhari 231. Crever les yeux, ça n'existe pas, ça. Si, si. Wallah que c'est vrai. Non, Wallah mais va lire. ne jure pas, de toute façon, Si, si. tu n'es pas Si, croyant. si. Donc, juste explique-moi une chose, j'aimerais comprendre, Blue Oui. Paradise. Comment tu fais pour comprendre si tu prends pas les hadiths. D'accord, donc je dois prendre les hadiths d'Arif aussi, pour argent Non, il n'est comptant. pas taïf celui-là. Il a une chaîne. Il est fiable. Il est authentique. Non, mais je Il te est pose la vérifié. Il est authentifié. Mais question. je te dis qu'il est mentionné par les exégètes dans Tefsir, donc dans les explications, pour expliquer le verset. Alors, bah, si c'est Ça vrai, veut c'est. dire qu'il n'est pas daïf. Et tu peux aller regarder le verset 33, sourate 5. Tu peux regarder Ibn Kathir, il est dans Tabari, parce que Tabari, il est très... C'est long, mais c'est très complet. Voilà. Mais il est mentionné par les mufassirin, ce hadith. Alors, bah, si c'est vrai, Donc, c'est horrible alors. Mohamed est horrible. Bah, si Il a comme... il a vraiment fait ça, crever les yeux des personnes et tout, c'est horrible, oui. On est D'accord, d'accord. Blue Paradise. Oui, on est d'accord. C'est bien. Tu fais des progrès. C'est bien. Ah, Ah, j'ai eu une bonne maîtresse, hein. c'est bien. Bon, je vais te dire. N'importe quoi. N'importe quoi. Bon, je vais te souhaiter une bonne soirée. Je te ferai. Aïe, Amir. Oh, Sauf merci. si Amir veut te dire quelque chose. Non, non, j'ai pas Salut parlé à Amir. Amel. C'est le bon moment C'est pour lui pas toi qui parler. m'as fait monter? Il y a Jenny qui fait monter. Ah, d'accord. Oui, Je il y a croyais quelque que tu chose. m'avais vu. D'accord. Bah, salut. Salut tout le monde. Salut. Tu as quelque chose à dire à Blue? Non, j'ai Ou juste c'est moi. entendu, du coup, j'ai pas compris. Du coup, j'ai pas compris, tu vois, s'il était musulman ou pas, musulman sunnite Si, ou si, pas. il est, il est. Il est, mais apparemment, il est pas sunnite, il est plus, donc. D'accord. Bah, tant mieux. Très bien. Attends. Attends, je suis pas sunnite parce que je rejette un hadith daïf. C'est Non, ça? je C'est pas suis. moi qui le décide, c'est pas nous qui le décidons, mais d'après l'islam sunnite, d'après l'islam. Elle vient de décider que j'étais plus sunnite. Non, Voilà. non, non, non. Ce qu'il faut, en fait, nous, quand on discute avec les gens, on suit la méthodologie sunnite. Et ce que dit l'islam sunnite? D'après l'islam sunnite, tu ne serais pas considéré comme musulman. Musulman tout court. Parce D'accord. que dans l'islam sunnite, il y a les 10 annulatifs de l'islam. Qui a écrit Et ça? dedans, comment? Attends. Qui a écrit les 10 annulatifs de l'islam? Al-Sunna wal-Jamaa, les savants, les tenants de l'islam sunnite, les mêmes qui te disent, voilà les En quelle année? exégètes, les mêmes qui te disent comment faire la prière, les mêmes qui En quelle année? t'expliquent le Coran. En quelle année? Parce que là, tu affirmes quelque chose, tu as la charge de Écoute, la écoute. preuve. Tu vois ce que je veux dire? Tu as la charge de la preuve. Tu vas faire quelque chose, prouve-le. C'est pas tu Tout à viens. fait. Les 10 annulatifs du Coran n'existent pas. Je sais pas de quoi tu parles. Prouve-moi ce que tu dis, en fait. Bah, je t'ai dit tu sais, à chaque fois, on prouve ce qu'on dit, et c'est pas la première fois. On est à la saison 8 de la critique de l'islam. On a donné toutes les sources dans tous les sens, elles sont toutes sur nos chaînes. Donc, les 10 Bon. annulatifs de l'islam sunnite, on les a partagés maintes et maintes fois. D'accord, Donc, donc il va aller faire des recherches, Amer. Ouais, je sais, je sais. Et Donc, par contre, attends, Amir, Tchétchène, c'est pas bien de se moquer. je Merci. suis juste venu faire un coucou à Riem, et c'est tout. Et là, je m'en vais. Merci à tous. Enfin, merci à Bonne Riem. soirée à toi. Ouais.
Ce prochain devoir, c'est les annulatifs de Ouais, l'islam. ça marche. Après, celui sur l'esclavage. Attends, Allez, je te laisse salut. monter des guignols pour s'amuser avec eux. Allez, ciao. Respecte les gens quand même. Bah oui, parce que Ouais, toi ça. aussi, tu peux te faire traiter de guignol par d'autres personnes. Bah Déjà qu'ils ne respectent pas les 10 annulatifs de l'islam, c'est compliqué, hein. si tu veux, Blue, des fois, on passe des heures et des heures avec lui chez Karim le soir, quand on dort pas. Ah, Donc, cool. il a fait des progrès. D'accord. Alors, je regarde. Donc, si Prend pas vous les êtes hadiths, une... c'est ça? Il prend juste pas les Comment? hadiths. En fait, il prend juste pas les hadiths, genre Aïcha 6 et 9 ans, par exemple. Ça dépend. Il remet en question. Il les rejette. Bah oui, par exemple, celui-là de crever les yeux et tout machin. Mohamed, quand il pète un câble, il le prend pas. Mais par exemple, il savait pas pour la Mecque qu'il y avait un marché à côté. Enfin, ce genre de choses. Un marché d'esclaves, tout ça, tout ça. Voilà. Alors, John. Sinon, Amir, comment vas-tu? Désolée. C'est des trucs de... Bonsoir, bonsoir, John. quoi? Que Des trucs de fais-tu? Mohamed. Le truc Des de trucs de... Mohamed? de Jack le Fou, c'est l'équipe Bon, de Jack. Oui, c'est de l'équipe de Jack le Fou, je te dis. il a une marama. Mahrama C'est pas grave, John. non. Oui, si tu es bien posé et que tu veux discuter après, je te referai monter, il n'y a pas de souci. Il a une mahrama, c'est bidon. On continue de tapoter, les amis. Ici, regardez, il y a de l'espace là pour écrire Allah is gay, par exemple. J'ai un grand front, hein. Salut Eileen. Salut Aileen. Salut, comment elles vont, j'allais dire les filles, mais désolé Amir. On s'est vu tout à l'heure. Ça va? Ça Vous va. allez Et toi? bien? Ouais, ça Très va, bien. ça va. Ça va. Ils nous ont pas encore rendu complètement fous, donc ça va. On a encore de la marge. Qu'est-ce que tu racontes de beau? Est-ce que tu voulais nous dire quelque Hein? chose en particulier? Est-ce Non, qu'on non, non, je m'entend? voulais simplement. Oui, Non, je voulais oui. juste te Oui, faire un coucou et puis souhaiter bon merci. courage dans ton live. Je sais qu'il dure longtemps aussi, donc vous avez Merci. beaucoup de mérite à faire tout ça. Merci. Merci, Aileen, c'est gentil. Merci à toi. On va essayer de faire monter des personnes qui veulent discuter de leur texte, s'ils veulent, parce qu'il n'y en Pas a de plus. souci, pas de souci. Je reste un petit moment et puis je redescendrai, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Salut, curieux. Oui, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va et vous? Très bien. Est-ce que tu es musulman sunnite? Oui, je suis musulman et sunnite. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu voulais parler d'un sujet en particulier ou pas? T'as dit Mohamed est le meilleur des hommes et t'as mis point d'interrogation. Oui. Ok. Moi, je te dis juste une des preuves que Mohamed est le meilleur des hommes, Vas-y. c'est qu'il n'a pas construit des palais, où il s'est pas procuré des richesses à long terme, où il s'est pas, il n'a pas fait des choses que beaucoup d'autres rois ou des gens qui avaient des puissances qui pouvaient le faire. Et lui, il est né pauvre, il est mort pauvre. Donc, il a accompli son devoir et il est parti. Que la paix et la bénédiction soient sur lui. Alors, juste pour répondre à ça, peut-être parce que il faisait trop de razzias et qu'il aussi il passait son temps à donner de l'argent pour corrompre
d'autres personnes à lire le tafsir du verset 60 de la sourate 9, entre parenthèses. Mais moi, je peux te donner par exemple, je peux te dire que non, c'était pas le meilleur des hommes parce qu'il a pénétré une petite fille de 9 ans. T'as une preuve qu'il l'a pénétré? Ben, c'est dans le hadith. Ok, maintenant mon 14, hadith. Attends, attends, 22, attends. c'est musulman. Attends, maintenant Oui. mon hadith, il dit Muhammad Rasulullah. Tu crois mon hadith? Ah, c'est pas mon hadith. C'est pas mon hadith, c'est un Non. texte de l'islam sunnite. Attends. Maintenant, le texte de l'islam sunnite, il dit Muhammadun Rasulullah. Toi, tu crois que Muhammad est prophète? Mais je crois rien, tu m'as dit que tu étais sunnite. Qu'est-ce que tu Oui, racontes? non, je suis sunnite. Maintenant, moi, je te demande à toi, Oui. les, Oui. ceux qui ont écrit ces textes-là, ils croient toujours que le prophète Mohammed est toujours le prophète. Ceux qui ont écrit ce texte, ils sont décédés il y a très 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 Ok. très 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 longtemps. Ok. Ils ont Donc ils croient rapporté pas ça. aujourd'hui. Ils Ils ont n'existent rapporté plus. ça. Ouais, mais du Ok, coup. maintenant, les mêmes personnes, ils disent que le prophète est le meilleur des hommes. Ouais, et du coup. Ok, donc ils ont écrit beaucoup d'autres choses en disant qu'il est le meilleur des hommes. Oui, et donc. Donc, maintenant, est-ce que toi, tu prends ce que tu as envie de prendre ou tu rejettes ou tu prends tout? Non, je prends la totalité et je la recontextualise et je me Ok. dis, c'est des paroles humaines Ok. et c'est des mœurs du 7e siècle. Il n'y a rien de divin là-dedans, c'est pas le meilleur des hommes, c'est juste un homme de son époque du 7e siècle. C'est tout. C'est pas un Ok. prophète. C'est C'est tout ce pas un que ça prouve. prophète. Et il y a des gens qui ont prouvé qu'il est le meilleur des hommes. En pénétrant une petite fille de 9 ans, ou bien en faisant des razzias, Oui, parce que c'est ou votre. bien en autorisant aux compagnons de Ou coucher avec bien des en faisant des captives razzias, mariées, parce que ou c'est votre. bien en autorisant aux compagnons de Ou coucher avec bien en des faisant des captives razzias, mariées. c'est. Tu as d'écho, tu as d'écho. Oula. Alors, je pense que c'est parce que tu as reçu un appel. Ouais, Tu il faut dois qu'il change sortir de d'appli. l'appli. Tu dois sortir de l'appli et revenir. Amir, bon appétit. Tu manges? Tu dois sortir de l'appli et Bravo. revenir. Là, c'est Amir, bon bon? appétit. Tu manges? Non, t'as Donc, encore le non. même souci. Faut changer l'appli. Non, pas quitter. Bon. C'est pas grave, il va revenir, ça serait mieux. Bon, bah, j'aimerais bien savoir pourquoi Mohamed est considéré comme le meilleur des hommes. On va attendre. Tu manges quoi, Amir? Alors, je mange boulgour avec des boulettes de viande hachée kefta, avec des carottes. Je sais pas comment ils appellent ça. Attends, je te T'es pas donne. devenu vegan, Amir? Bah, En il y a le quittant l'islam? kefta. Il y a de la viande, ha Putain, le hachée kefta. là. Kefta, c'est pas vegan ça. Parce qu'ils pensent qu'en sortant de l'islam, on devient transgenre et on devient Non. vegan. Ouais, apparemment je suis trans. Tu vois? Attends, Apparemment. juste une seconde curieuse, s'il te plaît. Bah, c'est le C'est dernier qui a truc que dit j'ai ça? entendu. Bah tout à l'heure, il y en Non, a mais un qui me souvent disait ils que j'étais pensent trans. qu'on oublie toutes nos valeurs, enfin tu vois, on n'a plus rien, on couche avec notre Ah. grand-mère, enfin, des histoires à dormir debout. Donc c'est kefta de Juste. bœuf, sauce blanche, boulgour, parfumé aux épices et carottes. Voilà. Ah, ça a l'air trop bon. Ah, c'est très bon. C'est toi Ça. qui fais ça, Amir? Oui, c'est une recette que j'ai faite moi-même. Ben, ça va, hein, tu taquines, hein. Allez, curieux, je te reprends. Hop. Du coup, Oui, par contre, je continue. disais, toi, tu dis que Mohammed, il n'est pas le meilleur des hommes. Et voilà, tu t'es dit, ouais, il a pénétré une fille. Et on sait très bien que c'est parmi les sujets que vous aimeriez trop évoquer. Et je sais que vous n'avez jamais cherché à savoir ce qu'il a fait de bien. Par contre, beaucoup des gens ont démontré et ont écrit des livres sur lui, des gens qui n'ont, qui sont pas musulmans. Et qui ont écrit des livres sur lui, sur son parcours, sur sa biographie, Mais et qui ont juste une montré chose, qu'il est le meilleur juste des. une chose, une chose. On va prendre ce que tu as dit, on prend ce que tu as dit, d'accord? Déjà, toi, est-ce que tu le rejettes ou pas? Ou tu le prends, le hadith et l'explication du hadith? Parce que tu sais très bien que c'est pas nous qui faisons l'explication.
du Sahadith-là, et c'est des gens compétents qui l'expliquent, le 14-22, c'est muslim. Est-ce que tu le rejettes ou, ou pas, toi? Ou est-ce que tu le prends en considération pour que je sache moi, avec je qui le je discute? Moi, je le prends. Moi, je le prends. Maintenant, tu on le se met prends, d'accord. Très bien. Donc, elle a bien été consommée à 9 ans. Juste une chose. Maintenant, on se met non, d'accord. Non, juste une chose pour continuer. Donc, tu le prends, c'est bon. On se met d'accord que quoi? Je le prends, mais je ne le confirme pas à 100%. On est d'accord? Ah. Je le prends, mais je ne le confirme pas à 100%. Comment ça, tu ne confirmes pas à 100%? T'es sérieux, mon ami? Je le prends à un quart. Je le prends à 20%. Non, mais je considère que le mariage a été fait. Attends, écoute. Je le considère que le mariage a été fait. Je le prends, mais je ne le prends pas. Le fait la de dire consommation. Que, il donc a consommé à 9 ans. Donc tu ne le prends pas. En fait, c'est soit maintenant, tu le prends à 100%, soit tu ne le prends pas. Écoute, maintenant. La question est claire, mon ami. Vraiment, vraiment simple. Écoute, est-ce que tu prends le hadith? Vas-y, je prends à 100%. Ah bah tu t'es en train de négocier là. C'est un truc de fou. Frérot, quand est-ce que t'as découvert qu'on fait des lives? Juste une question, vraiment. Amir, je vous fais pas le mec. Non mais ça fait combien de temps que tu connais nos lives? Est-ce que tu viens de le découvrir? Je fais pas le mec marrant. Laisse-moi parler avec Riam. Bien sûr. Franchement, je vais vous laisser. Je veux juste savoir quand est-ce que tu as découvert nos lives. Avant, vous étiez à 1000, maintenant vous descendez et bientôt vous allez disparaître à 300. Inch'Allah. Est-ce que tu peux répondre à mes questions? Quand est-ce que tu as découvert nos lives? Je vous connais depuis longtemps, depuis 4, 5, 6, 7, très 7 bien. Mois. Très bien, donc tu as eu le temps de voir nos non, questions et de, préparer, et de préparer des sources. Là, tu viens en mode je navigue à l'aveugle. Je prends pas. Frérot, tu t'es présenté comme musulman sunnite. Donc toi, on t'a présenté mec, s'il te plaît. Un hadith, on t'a présenté un hadith sahih qui parle que c'est de ton prophète, qui crois parle que c'est de ton prophète. On le connaît pas ou quoi? Tu vas nous faire découvrir. C'est toi notre qui hadith? Le découvre. Bah si tu le vas nous faire si découvrir tu... notre hadith. Non, si tu le découvrais pas quand tu elle vas t'a pas dit. Nous faire découvrir, frère. C'est toi non, qui le découvre. C'est un truc. Moi, j'en peux plus. Hein. Je te le dis, Reham. Ceux qui me coupent la parole au milieu, voilà. Je te dis un truc, si on te fait pas découvrir ce hadith, pourquoi quand elle t'a dit le prophète n'est pas le meilleur des hommes parce qu'il a gardah pénétré une petite de 9 ans, pourquoi t'as dit non? T'as vu ça où? Si tu le savais, fallait juste dire oui, il l'a gardah. Donc maintenant, on est allé jusqu'au bout de ta contradiction. Elle t'a affirmé une chose et elle t'a donné la source, le hadith. Dedans, il a bien gardé une fille de 9 ans. Tu pourquoi as dit non, je prends pas place, tout, je prends pas le mariage, mais pas la consommation. Non, je vais terminer et après tu pourras parler. Donc non, je prends le mariage et pas la consommation. Ça veut dire que tu rejettes le hadith. Donc tu choisis, dès maintenant, tu prends le hadith ou pas? Si oui, écoute, je vais tu pas prends te la répéter. Consommation. Je vais pas te le répéter encore parce que je l'ai dit. Tu vas pas me pousser à dire alors que je l'ai tu déjà dit. Tu as changé dit, ton avis plusieurs 100%. Fois. D'accord. Non, t'as changé plusieurs fois d'avis. Maintenant, okay. Quelle version on va prendre? Est-ce que tu prends le hadith dans lequel elle se fait gerdah ou pas? Maintenant, je joue pas le mec savant, tu sais rien du tout, laisse-moi parler avec Riyam. Je sais rien du tout, mais réponds à la question et je vous laisse entre vous. Okay. Juste, laisse-moi est-ce que tu prends le hadith Riyam, à 100% Riyam, ou pas? Je prends, continue sur ta logique. Je... Réponds d'abord à merci, s'il te plaît. Ok, je prends 100% c'est important hadith, maintenant, pour qu'on continue. Voilà, je prends merci. Le hadith, maintenant, ferme-la. Voilà. Go. Ah non, tu lui dis pas, ferme-la par contre. Tu respectes les gens qui sont chez moi. Vas-y, je t'écoute. Curieux. Ça va, t'inquiète. Donc, okay. Continue ton raisonnement, maintenant, vas-y, explique-moi. Qu'est-ce que toi vas-y. Tu connais positif de Mohammed? Rien. Je cherche un peu de netteté. Je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi. Je cherche un peu de netteté. Je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi. Et je vais te donner un exemple. C'est l'exemple qui revient souvent de la personne qui a ouvert un orphelinat le lundi, qui a nourri des pauvres le mardi, qui a allé, je sais pas, faire des maraudes le mercredi. Et le jeudi, elle a fait un attentat où elle a pragmatisé 300 personnes. Est-ce que c'est une bonne personne ou une mauvaise personne? Curieux. Tu comprends ou pas? Moi, je t'ai posé la question, tu m'as répondu.
Je t'ai répondu par un exemple. Si, si, parce que l'exemple, il est clair. Je Ok. répète ou... Vas-y, répète. Vas-y. Vas-y, vas-y. Une personne qui a ouvert un orphelinat le lundi, le mardi, elle va, je sais pas, faire des maraudes avec le soir pour nourrir des SDF. Le mercredi, elle est engagée dans des associations contre les violences. Le jeudi, elle commet un attentat où elle pragmatise 300 personnes. C'est une bonne personne ou une mauvaise personne? Ok, c'est une mauvaise personne. Voilà. Ok, maintenant tu as cité les bienfaits de cette personne, que tu as dit que cette personne a fait des orphelinats. Maintenant, moi je te réponds, cite-moi un truc que toi tu as trouvé bon du prophète Mohammed. Un truc que j'ai trouvé bon, sérieusement. Bah, que c'était un bon manipulateur, stratégiquement parlant, c'était sympa. Tu vois, parce que des gens comme toi, ils cherchent jamais le positif, ils ont toujours. Parce que déjà, l'intention, ça compte. Si aujourd'hui, tu n'es pas capable de dire ce qu'a Il a fait raison, Mohamed. il a raison, il a raison. Écoute, écoute, Amir, Je peux te calme-toi. poser une question? S'il vous plaît, un Ouais, point Godwin calme-toi. s'impose. Je vous en Ouais. prie, un point Godwin s'impose, s'il vous plaît. Calme-toi, Merci. calme-toi. Est-ce Si que aujourd'hui, il n'est pas je peux te capable. poser une question Il n'est curieuse pas. ou tu veux rester dans un monologue? Mais si on n'a pas encore fini un truc sur un point sur lequel on est déjà et que toi Tu tu as me coupes. conclu, tu as conclu avec elle, tu as dit Non, que les gens j'ai comme pas toi. conclu. Est-ce que Laisse-moi je peux te parler. poser une question ou pas? Laisse-moi parler. Moi, j'ai un truc bien à Bon, t'as dire à écouté. propos. Un jour, il a mangé du poulet. Un hadith authentique qui dit que le prophète a mangé du poulet. Ça, C'est je vrai, le c'est valide. vrai. Moi aussi, je suis fan de poulet. Donc, curieux, est-ce que je peux te poser une question? Ou t'as encore des soucis avec ça? Déjà, vous avez moins aucune honnêteté de répondre ou de prendre, Bah, de c'est citer un truc impossible. positif. Moi, Mais j'abandonne j'ai ce type de répondu. personne. J'ai Mais t'as répondu, curieux. juste une J'ai seule action, s'il te répondu. plaît. Une seule J'ai action positive. répondu. Une... Mais, curieux, écoute, je suis obligée de te muter pour te répondre. Je m'en fous de ce qu'il a fait de positif. Je m'en fous. Je m'en fous. Pourquoi? De ce qu'il Parce fait de que positif. il a pris. Je m'en fous. Il a fait des esclaves, t'as encore de l'écho. Il a pénétré une petite fille de 9 ans et c'est devenu le meilleur des hommes. Et il y a des personnes qui s'assurent ça pour plus la 65-4 pour mettre en place mariage des petites filles. Il a fait plein de conneries. Il a fait plein de conneries. Qu'est-ce que j'en ai à faire de, je Non, sais en fait, t'as pas. pas compris, t'as pas compris, t'as pas compris. Je vais t'expliquer. Riham, si je te donne du caviar, d'accord? Du caviar, quelque chose de très bon, et je te dis que dedans, il y a de la merde, tu vas le manger? Il y a Non. un tout petit peu de merde. Non. Voilà. Donc, mais lui, il te dit, non, mais il y a du caviar quand même. Non, je mange Bah, pas. bah c'est du caviar. C'est ça qu'il Non. te dit. Donc, curieux, si tu as autre chose à rajouter, parce que vraiment, je suis... Attends. Par contre, tu J'ai as un dit... écho, j'ai un Non, écho, non, j'ai non, un non, non, écho non, non. Oh sur mon mon Dieu, mon micro. Dieu, mon Dieu, mon Dieu. En fait, t'as pas besoin de descendre. Tu changes juste d'application et tu reviens. Tu vas sur ton navigateur, sur voilà, sur Oui. Change juste l'appli. Bonsoir les apostats. Bonsoir Grenade. Du coup, tu m'as dit quoi tout à l'heure? Si c'est dommage que TikTok puisse pas envoyer des coups, c'est ça? Ouais. Ben ouais, mais c'est de Tu la voulais mettre lâcheté ce des que vous coups? faites. Non, mais Tu c'est de la voulais mettre lâcheté des ce que vous coups? faites. Non, mais c'est de la lâcheté ce que vous faites. C'est vraiment de Mmh. la lâcheté. Parce que les D'accord. musulmans, ils en prennent plein la gueule, et vous rajoutez une Mmh. couche. Avec le gouvernement, Mmh. avec l'abaya, avec le burkini, avec le machin. Les musulmans, c'est des citoyens comme tout le monde, hein. Ils travaillent, ils payent des impôts. Du coup, Et vous? Mohamed Grenade, il a pénétré une Ouais, petite mais c'est fille de 9 facile ans de ou taper pas? un lion Non, mort. C'est Riyam, facile de Riyam, taper un avec lui, lion c'est mort. pas ça comme question qu'il faut poser. Avec Grenade, je C'est suis sûre que c'est facile, ça. c'est facile, c'est Grenade, facile de taper un Grenade, lion mort. Grenade, C'est s'il te facile de plaît. taper un lion mort. C'est Grenade. facile de taper l'homme invisible. Bon, voilà. Grenade, de quelle forme est la Terre? Grenade, s'il te plaît, tu peux nous dire de quelle forme est la planète Terre? Je t'ai donné un indice, En hein, là, en forme de plus. grenade. En forme de grenade. Non, mais Grenade, vous êtes juste pas nous donner musulman. la forme de la Vous Terre, êtes des s'il te plaît. athées, vous Ouais. êtes des athées, je peux pas parler avec des athées, moi.
Oui, mais est-ce que tu peux Vous nous croyez dire en de quelle rien, forme vous elle a croyez en été? rien. Pourquoi S'il te vous plaît, cherchez à... juste écoute, écoute. Attends, regarde, je te mute juste pour que tu écoute. Juste réponds à la question. Quelle est la forme de la Terre? S'il te plaît. Je t'ai envoyé une invitation pour te démuter. Juste réponds à ça, juste pour que je sache avec qui je discute. Pour toi, quelle est la forme de la Terre? Non, pas pour toi. Quelle Bah, est elle est la ronde, la forme Terre. de la Elle est Terre? ronde. D'accord, ça va. Donc, est-ce que Mohamed a pénétré une petite fille de 9 ans ou pas? Selon les textes de Ben, il l'islam peut pas, c'est sunnite. impossible. C'est impossible. On C'est peut pas impossible. pénétrer non, c'est impossible. C'est C'est-à-dire que impossible. nous, Quoi, dans c'est notre impossible? religion, on peut pas faire l'amour avec une personne qui peut pas avoir d'enfant. Ah bon? C'est quoi le texte qui dit ça? Ben c'est normal, parce que normalement, nous, Non, quand on non, se c'est quoi marie, le c'est pour faire. texte? Non, il n'y a pas Attends, de laisse-moi normal. finir. C'est Toi, quoi le je parle texte pas qui avec dit ça? toi. Toi, t'as un harki, toi. Non, Toi, t'as un il faut harki. des textes, T'es un il faut des traître. sources. Je parle Grenade, pas avec toi. grenade. Non, Non, c'est une question de logique. je suis ce que tu veux. Donne-moi le texte, s'il te plaît. On Il n'y n'insulte a pas pas de les normal. gens et tu ramènes tes sources, s'il te plaît. Non, mais Merci. c'est une question de logique. C'est une question de logique. C'est pas une question de Non, ramener c'est tes pas une sources. question C'est de une question de logique, ça logique. marche pas comme ça. Nous, Ça marche quand on pas se comme marie, ça. quand on se marie, on fait des enfants. Mais On là, il fait dit des quoi, enfants. Grenade? Il dit On se quoi, marie. Allah? Dans le Coran, il dit quoi, Allah? Est-ce que dans le Coran, il dit Allah, à un moment, vous ne pouvez pas vous avoir de relations S avec des épouses qui ne peuvent pas avoir d'enfants ou pas? Non, mais pourquoi vous coupez mon micro Bah, parce que si tu je peux pas réponds te pas aux répondre? questions. Donc, on est obligé de Réponds, s'il couper. te plaît. Moi, je vais te dire un truc, il n'y a pas Allah, il dit d'âge. quoi? Non, Il moi, n'y je veux a savoir ce que pas Allah, d'âge. il dit. Elle est où l'âge? Il est où l'âge? Ah. Bah, Vous dites justement, 9 ans, 9 ans, montre-nous, machin. Il est où l'âge? c'est marqué Mais où dans l'islam, dans le Coran? est-ce qu'il y a l'âge? Il n'y a pas d'âge. Non, mais Grenade. Vous Grenade, inventez des tu as textes comme ça, affirmé. là. Grenade, Et c'est toi qui as alors? fait une affirmation. Le Tu as prophète, il est fait. mort. Non. Il est mort. Il n'est pas là. Grenade, t'es mute. T'es mute. Grenade, tu as fait une affirmation. Ça ne sert à rien de t'étaler. On va rester sur ce que tu as dit. Tu as affirmé Le prophète, il est que. mort. Hop. Il n'est pas là. T'es mute. T'es mute. Tu as affirmé. Tu sais, je vais continuer, en fait, Grenade. Je ne vais pas te laisser enchaîner. On va rester sur ce que tu as dit. Donc, tu as affirmé. Que dans l'islam, vous ne pouviez pas, c'était interdit d'avoir une relation S, donc SUL, hein, avec une femme qui ne peut pas avoir d'enfant. C'est ce que tu as dit. On est d'accord? Donc on veut que tu nous prouves ce que tu avances. C'est marqué où ça? C'est une question de logique. Réfléchis un petit peu. Non, il n'y a D'accord. pas de Et donc, du logique. coup, si on trouve un C'est-à-dire, texte. attendez, attendez, Non, attendez. mais Vous, Grenade, Grenade, d'accord. Non, mais je te dis, ok, c'est non, logique. mais. Mais je suis d'accord avec toi, c'est logique. Mais si, dans le Coran, on trouve un texte qui te contredit, où Allah, il dit qu'on peut. Du coup, Grenade, c'est toi qui te trompes ou c'est Allah qui se trompe? C'est pas une question d'Allah. C'est pas une question d'Allah. D'accord, mais La religion, elle est s'il y a un descendue. La verset, religion, elle est s'il descendue. y a un Et verset, si l'homme, Grenade, il en fait Grenade, n'importe quoi restons sur la avec, parole de Allah, c'est son Grenade. problème. C'est son problème. Restons sur la parole de Allah dans le Coran. Si on trouve dans la parole de Allah un verset qui autorise à avoir des Non, mais. relations S avec sa femme, même si elle ne peut pas avoir d'enfant, du coup, ça contredit ce que tu Non, dis. mais On c'est est quoi le d'accord? projet? Non, mais c'est quoi le projet? C'est quoi le projet? Mais C'est quoi votre réponds à ma projet? question. Est-ce que tu veux En lire, fait, est-ce que tu veux lire ce non verset? mais dites-moi, c'est quoi le projet? C'est quoi le Bah, projet? c'est de C'est de faire des montrer, ratonnades tu vois, contre les c'est de musulmans? montrer ça, C'est de faire Grenade. des Mais pas ratonnades du tout, contre les on musulmans? parle des Hein? textes. Vous voulez Bon, quoi? Je vous Grenade, envoie, vous regarde. voulez... Hop, on va recommencer, je t'ai mute. Parce que tu vois, tu divagues, tu divagues. Donc, on va se reconcentrer. On a un verset, il y a un verset qui existe, d'accord, qui dit le contraire de ce que tu dis. C'est-à-dire, il te contredit. Allah lui-même, sa parole te contredit. Est-ce que tu veux qu'on te lise ce verset? Oui, on va te le lire. Et vas-y, vas-y, lis. Google verset Google. Hein? Non, non, c'est Non, verset je ne connais Coran. pas du tout. Donc, t'as un Ah ben, Coran à c'est ça. côté? At-Talaq, Bon. At-Talaq, verset 4. Sourate 65, verset 4. Ça Bah, parle après, du il peut le lire divorce. lui, hein, Cassius. Ah ouais, j'avoue, t'as un Coran, C'est Grenade? ça. Bah, T'as c'est un un Coran à musulman, côté? donc il devrait avoir un Coran. Vas-y, ton Coran préféré. Grenade, t'as un Coran préféré à côté de toi?
Sinon, J'ai on pas va te fait le mes lire, on va pas ablutions. attendre 10 ans. Hein. Moi, j'ai la voix du musulman, moi. Et dans la voix du musulman, il n'y a Le pas Coran, le de Coran. mariage de petite fille. Il n'y a pas de Coran? Coran. Est-ce que tu as le Coran? Est-ce que tu as un Coran à côté de toi? Même cette question-là, Non, elle est mais j'ai difficile. un Coran, mais il est en arabe. Bah vas-y, C'est lis-le pas en grave, arabe. on parle arabe. Non, mais je lis pas l'arabe. Mais t'as pas de Coran, du coup. Mais attends, mais comment tu fais alors si t'as pas de Coran que tu comprends? Je comprends pas, Grenade. Comment tu fais pour savoir ce qu'il y a dans le Coran si t'as pas de Mon Dieu, Coran que tu c'est pas comprends? possible. Je démissionne, Ah, tu es ce soir. coincé! Je démissionne, Non, c'est bon, là, pas j'en peux Non, plus. bah, vas-y, Rien, tu l'as sous les yeux. Ok. Je l'ai. Bon, c'est Ouais. mauvaise heure. Voilà, il y a Esnamen al-Mahaid et Menissa. Et comme il est le tome fait d'être une telle Faites tâteau des à Chorin. Voilà, il a Voilà, mis il a Hadou. mis un head. Qu'est-ce qu'il a dit? Allah, crevette? Voilà, il a mis un head. Du coup, t'es coincé? Non, je ne suis pas coincé. Mais il Donc, n'y a pas qu'est-ce de que j'ai mariage dit de de petite ça? fille. Il n'y a pas de Donc, déjà mariage de ça, petite fille. c'est qui? Déjà, C'est d'une, qui il n'y a pas de mariage de petite Welle fille. C'est qui Il n'y a pas Welle de Elam mariage de petite Yahed? fille. C'est qui? Regarde, je vais te. C'est qui Welle Elam Yahed? C'est qui? Celles qui n'ont pas encore de règles. Comment ça a été expliqué par les gens qui maîtrisent l'oral arabia? Qui sont celles qui n'ont pas encore eu de règles? Voilà. Qui sont ces gens-là? On ne peut pas pénétrer un enfant qui ne peut pas avoir d'enfant. C'est qui Réfléchissez. celles qui n'ont pas encore de règles? Normalement, Tu as honte? on se marie avec une Est-ce femme que tu qui est as capable honte, d'avoir un Grenade? Et enfant. on a... Est-ce que tu as honte de tes textes? Non, non, moi j'ai C'est pas honte de normal mes d'avoir textes, honte de moi. ça, Ben hein? non. Franchement, c'est normal. Mais Ok, donc si tu y a n'as plein de pas têtes qui honte, contredisent. qui sont celles qui n'ont pas encore de règles? Dans ce verset. Grenade fait pitch. Bon, bah, Grenade. Ah Tu vas pas répondre là parce que tu as honte. Parce que tu as honte de tes textes. Parce que tu es monté nous expliquer que là. on Non, parle j'ai des pas gens. honte, j'ai Non, pas non, honte. De non, quoi non, je non. me mêle? Là, Si, mais attendez, si. prends, écoute, Rien, mais je crois qu'il écoute, comprend pas écoute, l'arabe. Hein. écoute, écoute. Je suis pas sûr qu'il comprenne Non, en il fait comprend l'arabe. pas l'arabe. Attends, Il comprend pas l'arabe. premièrement, de quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Vous avez que Et bah, ça à du coup. faire? Vous Allez, je avez te que le ça à relis en faire de français. cracher Je te sur les le relis en musulmans? français. Vous avez que ça à faire de On cracher. parle des textes, on parle des textes, j'ai pas le Ouais, temps, qu'est-ce j'ai qui pas le fait? temps pour ça. Regarde, écoute, écoute, chut, écoute. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Point. Donc ça, c'est Sourate Talaq, verset 4. Sourate Talaq, verset 4. D'accord? C'est C'est la la sourate sourate du numéro divorce. 65. Oui, exactement. C'est la sourate du Donc, Grenade. divorce et c'est la période. Parce que peut-être qu'il ne sait pas du tout. Moi, franchement, je pense qu'il connaît juste pas. Il a un Coran, il peut pas le lire. Il fait Oui, mais comment pour et savoir? alors, et alors, et alors, Et alors, et bah, alors. c'est pas grave, on t'explique Non, justement. mais alors, At-Talaq, de quoi c'est je la me sourate mêle? du Et divorce. alors, Bon. et alors. At-Talaq, bah, en fait, tu viens pour affirmer des trucs sur Ouais, mais l'islam non, sunnite ouais, mais alors et que tu alors. connais Non, mais rien. moi je. Donc, en fait, je vais te muter et je vais t'expliquer. At-Talaq, c'est la sourate du divorce. Le verset que vient de te citer Riyam, c'est le verset qui t'explique si tu as des doutes quand tu divorces de ton épouse sur la période de viduité, la période d'attente qu'elle va devoir Ouais, mais ça respecter vous après ton concerne pas, divorce. ça. Ça vous Mais concerne laisse-moi pas, ça. finir. Hop, mute. Si vous avez des doutes sur la période Ouais, de mais ça vous viduité concerne pas. Ça vous concerne pas. de De quoi vos je me. femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, De c'est-à-dire les quoi je me mêle? ménopausées, tu es mute. De Si tu quoi je me. es, c'est simple, Grenade. De quoi Si je me. tu continues à faire ça, tu vois, et à refuser que je te t'explique la réalité de tes textes. Ah, c'est bon. Donc je peux y aller, c'est bon. Grenade. Dans ce verset, Allah donne une indication aux hommes qui divorcent d'une jeune fille qui n'a pas encore ses règles. Si Allah donne une indication quant au divorce d'une jeune femme qui n'a pas encore ses règles, c'est qu'il y a eu un mariage. Et pour la consommation, parce que là, c'est que le mariage, pour la consommation, il y a un autre verset, Grenade. Tu vois, c'est pas que celui-ci. Il y a le verset à la sourate 33, verset 49. Et dans celui-ci, Allah, il dit que si vous divorcez d'une épouse sans avoir consommé le mariage, vous ne pouvez pas lui imposer de période d'attente. Libérez-les sans préjudice, voilà là. Donc, si dans At-Talaq, il te dit, si vous avez des doutes sur la période de viduité, c'est qu'il y a eu consommation.
Donc, non seulement Allah il dit, vous pouvez divorcer de petites qui n'ont pas de règles, après avoir couché avec. Sinon, vous ne pouvez pas lui imposer de période de viduité si vous n'avez pas couché avec. Tu comprends, Grenade ? Il y en a, ces versets, ils existent. Et là, ce n'est pas moi qui les ai interprétés. C'est les, tous les grands Mufassirin depuis des centaines d'années jusqu'encore à aujourd'hui, en fait. C'est autorisé dans l'islam sunnite. Peut-être pas ton islam ou ta conception à toi, mais dans l'islam sunnite dont on parle, ça, c'est autorisé par les grands oulémas, par les quatre écoles de l'islam sunnite, de jurisprudence. Tu comprends, Grenade ? Oui, on va voir. Merci, Cassius. Donc oui, apprendre toujours avec le Qohelezé 49 pour comprendre ce que c'est la période de viduité. Alors, Grenade, est-ce que tu as compris ce qu'on te dit ou pas ? Est-ce qu'il y a des mariages de petites filles en France ? C'est pas ma question. Qu'est-ce qu'il a dit, Allah ? Est-ce qu'il y a des mariages de petites filles qu'est-ce en France ? Qu'est-ce qu'il a dit, Allah ? C'est-à-dire que le maghrébin qui va vider sa poubelle, Grenade, qui va vider les poubelles des voisins, Grenade, pourquoi lui, tu as du mal à comprendre ? Pourquoi tu as du mal à dissocier ton identité d'un livre ? Ok ? Pourquoi tu me parles de Jean alors que je te parle d'un texte ? Fais un peu, essaie de respecter ton cerveau, s'il te plaît. Essaie de faire fonctionner ton cerveau. Non. Et réponds-moi. Essaie de faire fonctionner ton cerveau 2 secondes. D'accord ? Allah, il dit quoi ? Il dit que t'as le droit ou t'as pas le droit de te marier avec une fille qui n'a pas encore eu de règles ? Je t'écoute. Ne parle pas du musulman qui sort sa poubelle, celui qui va travailler, celui qui, oui, est, non, mais, qui est universitaire. Non, ne me parle pas de ça. Non, mais, Allah, il dit quoi ? Écoute, Allah, on parle des textes. Oui, mais c'est, textes. À quoi ça sert votre truc là ? À quoi ça sert votre truc là ? Vas-y, vas-y. À montrer... Vous avez que ça à faire ? Vous avez que ça à faire ? Oui, on a que ça à faire. Alors, hein ? Allah, il le parle Talmud, de... Vous avez est-ce qu'il autorise ? Est-ce que... Oui, oui, il y a de la merde aussi, il y a de la merde dans tout... Écoute, il y a de la merde dans toutes les religions. Oui, non, est-ce oui, que y a, toi, y a de la merde, mais... Est-ce que toi, ouais, mais... est-ce que toi, tu peux dire la même chose de la religion qui est tienne ? Bon, enfin, après, est-ce que tu me dis. Donc, est-ce que Allah autorise ou pas le mariage des filles impubères ? Ouais, vous dites que le Talmud, c'est de la merde, mais moi, je vous entends est-ce pas que... parler. Écoute, t'as vraiment honte. C'est pas possible, hein. À un moment donné, faut assumer. Est-ce que Allah autorise ou pas le mariage des impubères ? Moi, j'ai pas à me justifier devant des gens qui croient pas. Je te demande pas de te justifier, c'est pas toi qui as écrit le Coran. Non. Est-ce que Allah autorise ou pas ? Déjà, pour parler d'une religion, il faut y croire. Si est-ce que Allah pas, autorise ou pas penser... Réessaye, ça va marcher. Est-ce que Allah autorise ou pas le mariage des impubères ? Il autorise pas. Non, il l'autorise pas. Donc ça, quand t'as lu, c'est faux. Coran, tu bah, mets à la c'est, poubelle. Bien sûr que c'est faux, bien sûr. Donc tu crois pas au Coran ? Tu peux nous expliquer, Grenade ? Excuse-moi, j'ai essayé, je voulais me muter moi-même et je l'ai muté. Tu peux nous expliquer ce que veut dire c'est ce verset ? Voilà. Bienvenue à toi dans la couffrerie, le Coran, et il est faux. Non, mais il dit tu pas d'âge. Il dit pas d'âge. Tu peux m'expliquer ce que dit le verset. Je t'ai pas dit s'il disait un âge. Est-ce que tu peux me l'expliquer, s'il te plaît ? C'est incroyable, ça. Purée. Je parle à des athées, c'est incroyable. Je parle à des athées qui croient en rien et qui cherchent la petite bête. Ça, c'est incroyable. T'habites en France, Grenade ? Non, mais vous avez que ça à faire. Tu sais que c'est la majorité des gens non, mais vous qui vivent en France, des athées. Non, mais les musulmans, ils en prennent plein la gueule. Ils en prennent plein la gueule. La France, on ne parle pas plus. Des musulmans. Est-ce que tu peux m'expliquer le verset, s'il te plaît ? Le pouvoir d'achat, il se casse la gueule. Et vous, vous êtes là. Est-ce que tu peux me parler du pouvoir d'achat du verset, s'il te plaît ? Vous croyez que l'islam va s'éteindre tout seul ? S'il te plaît, tu me parles du verset et m'expliquer. S'il te plaît, Grenade. Non, mais le moi, verset, j'ai pas, s'il te j'ai plaît. Pas me qu'est-ce que tu as moi. Compris non, non. Avec ton Coran en arabe, qu'est-ce que tu as compris, s'il te plaît on te supplie, là, on te supplie. Respecte ton cerveau. Moi, encore. Hein, Ouais, lis-nous le verset. Grenade, c'est pas un problème. Je pense pas que c'est un problème, Grenade, de pas réussir à comprendre un verset et de nous l'expliquer. Sachant qu'on en parle non, tous vous... les jours non. depuis des mois.
Moi, je suis pas là pour me justifier, moi. Ah, je te demande pas de te Moi, justifier, je te non, non, demande non, juste non. de m'expliquer ce que toi tu as compris, parce que Moi, tu je dis suis là, qu'on vous a êtes des mal la... compris. Non, mais vous êtes des lâches. Tu Vous êtes des lâches. estimes Vous qu'on a mal lâchetés. compris, Grenade. Le musulman, il a aucun pouvoir en France. Il a aucun pouvoir. Il en prend plein la Grenade, gueule. tu estimes. Il en Grenade, il en prend on n'est plein pas, la on est pas, gueule. dans, on est Et pas vous, chez vous êtes Grande là, Coeur vous Coluche, êtes... là. Ouais. Mais pour descends dans la rue, descends dans pleurer la rue, là, et commence pour t'expliquer. descends dans la rue, dis le prophète, c'est un pédophile. Tu vas voir ce que tu vas ramasser. Dis pas ce mot, s'il te plaît. Non, mais et c'est une très ce que bonne tu vas idée, ramasser. Tiens. Hein Merci Alors, de donner des est-ce idées que comme tu peux ça. nous expliquer le... Faut pas dire non, ce que non, tu non, peux nous devant expliquer le Cassius. Verset, s'il ah te ouais, plaît. Moi là c'est noté, je te le dis direct. Prochaine Merde. dinguerie. Prochain micro trop tard, bonjour. Est-ce que vous savez que Mohamed était plus capable ouais, bah, tu vas pas durer longtemps. Hein. Ouais, tu vas pas oui, durer oui. longtemps. Non, Grenade. Tu Grenade, si Grenade tu t'es en train de nous dire que... T'es en train de nous dire, depuis tout à l'heure, tu tu parles des musulmans. Tu les tu défends, mais t'es en train de nous dire que les... Est-ce que tu es en train de nous dire que les... Tu es en train de nous dire que les musulmans sont dangereux, Grenade? Non, ils sont pas dangereux, les musulmans. Eh ben du coup, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu lui dis que tu vas pas durer longtemps? Non, mais ils subissent. Mais vous allez voir. T'es lâche un peu, Grenade, hein? Ouais, c'est... T'es un ouais, mec vraiment très très lâche. Ouais. T'es un petit peu... Bah, tu portes bien ton nom, hein, parce que moi, tu vois, les grenades sur BO2, tu vois, je trouvais que c'était des lâches, comme ceux qui avaient la pitié non. et la clé mort, oui, tu vois. Oui, c'est ça, des lâches. C'est vous, les lâches. T'es lâche. Derrière ton clavier, tu fais ce que tu veux, derrière ton clavier. Bon, donc maintenant... pourquoi alors on ferait pas 2 secondes en disant ça dans la rue? Bah, allez-y, faites une... Pourquoi allez dans les banlieues, allez pourquoi dans les banlieues, allez emmerder les musulmans. Hein, qui sont en paix, allez emmerder les musulmans, vous allez voir. Pourquoi qui le fait de dire pourquoi que les PO, que Mohamed est un PO, non, non, mais allez emmerder faire... les musulmans. Charlie prenez votre courage le demain, Attends, il est en train de dire allez. Que les musulmans, ils vont nous faire du mal, c'est ce qu'il a dit. Hein. Si on ne sait pas dire que... Il est en train de dire ça. Si on sort en disant Mohamed est un PO... Grenade affirme que les musulmans vont nous attaquer. C'est ce qu'il est en train de dire. Ouais. Nous, on parle que des textes. Nous, on parle allez-y. Que des textes. Et toi, tu parles mal des musulmans. Tu dis que c'est des gens violents. Moi, c'est pas mon expérience. Moi, j'accepte pas ça dans mon live. Hein. Non, j'accepte non pas. Tu parles pas mal des musulmans. S'il te plaît, respecte les musulmans. Nous, dans nos lives, on respecte les musulmans. Et tu sais, la réalité, elle prouve le contraire à tout ce que tu dis. On est sortis, on a non, croisé vous des musulmans. Pas, les textes. Et moi, dans ma famille, je parle comme je veux. Les musulmans ne sont pas violents. Qu'est-ce non, que tu es en train de dire de mal sur les musulmans? Pourquoi les tu parles mal? Vous t'es sûr que t'es un vrai musulman? Est-ce que tu serais pas quelqu'un qui veut discriminer les musulmans et mal parler d'eux, de dire qu'ils sont violents? Hein? Est-ce que tu te caches ici pour dire que les musulmans sont violents? Parce que nous, on parle jamais des musulmans, nous. Je déconne. Oh, vous inversez les rôles. Vous inversez les rôles. Non, pas du tout. Vous êtes violents. Vous, non, vous êtes violents. À quel moment on était violent, on est violent? À quel moment on a poussé à la haine ou Parce à, qu'on a à, dit, à, on a dit que Mohamed était PO. Ça, c'est violent. Ça. Ah non, ça, c'est contre, un fait. Le fait de nous dire ça, que si on sunnis. Dit, on va te faire frapper, tu vois, ça, c'est pas violent, ça. Ça, bah, ça bah, fais une expérience. Vas-y. Va dans les banlieues et il va bah, on il a va fait l'expérience. On a fait l'expérience. Bah, les musulmans gens. Sont pacifistes. Les musulmans sont pacifistes. Peut-être que toi, oui, t'es pas pacifiste. Clavier, oui. Peut-être que toi, t'es pas pacifiste. Les musulmans dans les rues, ils sont pacifistes. Oui. Toi, t'es pas pacifiste. C'est toi qui as envie de passer à l'acte. Dis-le, sois juste. Les musulmans, sors tes petites clioettes, c'est pas. Moi, ça je pense que c'est un infiltré de l'ultra-droite. Moi, je ouais, pense, ouais. C'est un infiltré d'ultra. Ouais, il veut montrer une mauvaise image des musulmans. Je pense aussi. Pour toi, ça serait une bonne chose que, par exemple, Cassius ou Amir. Ça serait normal que Cassius ou Amir soit... Tu sais quoi? Je m'interroge. Le gouvernement... Je m'interroge, Aileen, et j'aimerais bien qu'il nous fasse une shahada et qu'il nous récite le Coran qu'il utilise pour la prière. Parce que moi, j'ai un doute qu'il soit musulman. Ça commence par Bismillah. Vas-y, Grenade. Ah ouais, ça se trouve, c'est un troll. Bah non. Vas-y la shahada. Moi j'ai pas justifié moi. Ouais, donc t'es un infiltré. Ah. Donc arrêtez non, de non, monter non, de non, parler non, mal des musulmans. Je vais descendre. Soit tu fais la shahada et tu démontres que t'es descends, un musulman. Soit t'es un infiltré. T'es un infiltré. Tu vas me libérer. Ah, t'es un infiltré. Voilà. Non, voilà non, les non, musulmans, je suis pas un infiltré. Les amis.
Voilà ce qu'il y a. Il y a des gens comme ça qui s'infiltrent dans des lives et qui veulent dire que vous êtes violents. Voilà. Et qui se font passer pour des musulmans. Ils savent rien à l'islam. Ils veulent vous faire passer pour des gens violents. Voilà. Et quand on leur demande de dire un verset, de dire une sourate, de dire la shahada, ils ne savent pas le dire. Voilà. Et Grenade, je vous le dis, c'est un infiltré. Est-ce que moi j'en ai fini avec Grenade parce que. Hop. Bonne soirée, Grenade. J'espère que tu seras un peu plus honnête la prochaine fois. Continue de tapoter, s'il vous plaît, les amis. Yes. J'ai bien aimé Samuel Paty. Quand tu l'as fait comme ça. Et je voulais, non, plus sérieusement, juste avant de continuer, je suis monté surtout pour cette prise de parole-là, jusqu'à nouvel ordre. D'ailleurs, demain, je vais faire un live pour ce sujet-là. C'est un hommage à David Valla, valeureux homme qui apportait beaucoup, qui faisait beaucoup de choses, surtout après un parcours tumultueux, qui a connu les textes, il les a vécus. Il sait ce que c'est de l'islam sunnite, il sait ce que c'est la lobotomisation, il sait ce que c'est ne plus utiliser son cerveau ni son rationnel et commettre des atrocités, ou au moins s'en rapprocher. Il a failli commettre des atrocités qu'il aurait pu regretter toute sa vie. Et il est revenu de très très loin. Et il nous a quittés le 21 et je lui rends hommage. Force à sa famille et à tous ceux qui l'aimaient, parce que c'est quelqu'un qu'on peut aimer. Surtout suite à ces dernières années où il a accompli beaucoup de choses. Voilà, et je vous invite vraiment à lire son livre et de vous intéresser à son parcours. Merci Amir. Ouais, en plus il était jeune, il est 71, je sais pas pourquoi il a... 52 ans, un truc comme ça, ouais. Oui, il est jeune, ça arrive. Ouais, il était pas si vieux que ça, ouais. Malheureusement. Et on devait se capter. On devait se capter, voilà. Début 2025, on devait se voir et faire un live ensemble. Bah, on va continuer. Mais rampez plus, nom de Dieu. C'est pas assez. Oula. Alors, je vais t'apprendre un peu leur respect. Quand on remonte, on dit bonjour, madame. Ou bonjour, monsieur. Vas-y. Bonjour madame. Bonjour, bien. Monsieur. Bon point. Alors, il est dans ses cheveux. Alors, moi, je trouve que vous ne rompez pas assez. Je trouve que c'est pas assez ce que vous faites là. Rompez plus. Quitte à renier vos origines, quitte à renier tout. Tu es musulman sunnite ou pas, Enzo? Vous êtes de la fréquence FM? De quel degré? Tu es sunnite? Je suis sûr que vous êtes au bas des degrés, en fait. Tout ça pour pas parler des textes, Enzo, t'as honte? Alors, je vais vous prouver, en fait, que Dieu, il a raison. Moi, je veux que tu me prouves que pourquoi Mohamed... Moi, je veux que tu m'expliques pourquoi Mohamed a décidé de pénétrer une petite fille de 9 ans. Elle avait pas 9 ans. Ah! Alors, vous allez mettre ça en doute, bien sûr, parce que ça ne range pas votre version. Et ça... Voilà, vous commencez à lire parce que bon, le selon programme est sunnite, elle avait 9 ans. Selon l'islam sunnite, elle avait 9 ans. Donne ta source. Vas-y, donne ta source. Ta source, Enzo, sinon tu descends. Ta source, Enzo, tu descends. Ma source? Oui. Vous comprenez l'arabe? Oui, je comprends l'arabe. C'est un peu long, par contre. Parce que tu vas donner une source ou tu vas danser? Je veux une source. Il faut citer des dates pour prouver. Ah, tu vas nous faire le truc. Certes, c'est les riwayats. Source cristalline, source volvique. C'était Enzo, le ninja musulman. Alors, je vais juste redonner les sources que nous avait passées Jack pour l'argument de 19 ans, Asma, compagnie.
Le tome 4, la page 327, où on te parle de 9 ans, consommation avec un consensus. Ensuite, Tatarir Tabari, volume 3, page 163, chapitre. Donc, par rapport, ça parle des femmes du prophète. Et pareil, là aussi, on vous parle de 9 ans. Bref. Yarpi. J'ai bien aimé. Et où il est, Wendy. Ça va rester la vie, ça, Yarpi. Même si. Ouais, c'est. Je vais le faire en même, tu vois. C'est le désespoir, comme dirait Cassius. C'est le désespoir qui parle. Alors, quand vous n'êtes plus disponible, vous annulez votre demande, s'il vous plaît. Respectez-moi. Respectez-moi, je vous en supplie. Hello, Iblis. Ouais, ça te fait rire, top bats, toi, hein, je sais. Salut, Iblis.